C'est du boudin maison. Laura, excusez-moi madame. Laura, pendant ta pause si tu veux, on mange ensemble. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Disons 13h30 au Quinoa, ça te va? Je connais pas, c'est où ça? C'est tout près d'ici, c'est Quai des Pêcheurs, tu peux pas le rater. Désolé pour le contretemps. C'était mon mari. Avant de l'enfourner, vous la farcissez d'ail et de boudin. Vous verrez, vous serez pas déçus. Le boudin, c'est cadeau. Merci, c'est gentil. Sam, quand je pars bosser, j'ai toujours la boule au ventre. Je fais tout le boulot, la charcuterie. Je gère les commandes, les clients. Je fais l'ouverture, la fermeture. Avec un patron qui se prélasse. Tu penses pas qu'à mon âge, je devrais avoir ma propre charcuterie? La señora est Sam. Enchantée. Sam m'a beaucoup parlé de vous. Bienvenue dans mon restaurant. Qu'est-ce que je peux vous servir? Vous servez quoi? Salade composée, quinoa tofu, quinoa légumes, dessert du jour. Non, merci. Juste un steak frites pour moi. Il n'y a pas de ça ici, señora. Alors un jambon beurre, je suis pressée. Mais c'est un restaurant végétarien, madame. Excuse-la, elle est charcutière. Non mais tu veux me punir ou quoi? Mais goûte le plat du jour. La quinoa tofu, c'est ma spécialité, faites-moi confiance. Ce sera deux quinoa. Tiens, au fait, il paraît qu'ils vont créer de nouveaux étals au marché, profites-en. C'est peut-être l'occasion pour ouvrir ta propre charcuterie. Oui, je sais. Mais c'est pas avec ton salaire de misère que tu vas m'offrir un commerce. Mais Laura, il y a des solutions. Ah oui, des solutions. Oui, il y a des solutions, on peut se renseigner à la banque. Ah tiens, à la banque. Et pourquoi pas essayer de faire un emprunt? Alors là, tu es gentil, Sam. Imagine, tu débarques au guichet avec tes bonnes intentions, ton vélo rouillé, ton travail saisonnier à réparer les bateaux. C'est sûr qu'ils nous prêteront tout ce que tu veux. Les yeux fermés. Ton problème à toi, c'est que tu veux toujours plus. Vous allez adorer. Buen provecho. C'est quoi ça? La carotte, on en fait quoi? Arrête de faire la grimace. Saupoudre ton plat avec de la levure et des algues. Je t'assure, c'est délicieux. Là, tu m'énerves. Explique-moi pourquoi le fait de te parler, ça me fatigue déjà. Tu es un petit joueur. Ah oui? Tu m'empêches de me réaliser. J'en peux plus! Vas-y, lâche-toi, mon amour. Fais-toi plaisir. Là, au moins, tu es dans ton élément. On va prendre du recul, toi et moi. Va squatter chez ton fakir, il y a de la place sur son bateau, histoire de se reposer quelque temps. Parce que toi, si ça t'amuse de brouter de l'herbe, moi, je rumine. Laura, cette scène, tu me l'as déjà jouée. Alors, s'il te plaît, ne me rappelle pas comme les deux dernières fois en me disant « Je t'aime, mon amour, mon cœur adoré, reviens !» Cette fois-ci, ça m'étonnerait. Elle a pas aimé mon quinoa. Allez, 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 vas-y. Allez, allez, oui, vas-y, dribble. Mais pousse-le ce ballon, accélère. Oh, quand tu vois pas qu'il est hors jeu, allez, vas-y, fais jouer le ballon. Sans facile. Vous pourriez pas faire moins de bruit? Oh, mais ma belle, il joue la qualif, c'est un match vachement important. Allez, bon. Tu t'intéresses vraiment à rien. Allez, viens avec moi, regardons-le ensemble. Ah, mais baisse au moins le son de la télé. Et puis ça sert à rien de hurler. Ils vous entendent pas, les joueurs, hein. N'importe quoi. Oh, oh putain, il y a penalty. Oh, tu me déconcentres là, en plein match. Ta belle, elle demande juste que tu arrêtes de fumer, que tu ouvres la fenêtre. C'est irrespirable ici. Quand tu m'avais promis de réparer l'aspirateur, j'attends toujours. Mais c'est une vraie porcherie, cette maison. Ma belle, tu comprendras jamais rien au foot. Allez, sois sympa avec mes copains. Allez, va nous chercher des bières. On a la gorge sèche. Aux armes, citoyens. Ta belle, elle a un nom. Et elle en a marre que tu la prennes pour une boniche. J'ai besoin de prendre l'air. Je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Tu seras peut-être plus sympa quand tu reviendras.
Oh, Marcel. Marcel, t'es con, tu le fais exprès. C'est une super nana, Tina. Elle est cool. On peut au moins attendre qu'elle nous ramène des bières avant de la charrier. Le con ! Ah, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la... Arrête, tu nous déconcentres, Yvon, là, avec ta morale de bain. Hé, Marcel. Hein ? J'ai deux places pour la demi, ça t'intéresse ? Ah, évidemment que ça m'intéresse. Eh ben, je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Oui. L'auto est parti à 19 euros. Ah, oh, zut. J'ai pas assez d'argent, il me reste juste 5 euros. Carte bleue ? Ah, oh, c'est pas vrai. J'ai changé de sac. Bon, bah écoutez, je vais être obligée de revenir. Ok, suivant. Vous encaissez l'ensemble, je paye pour cette dame. Oh non, écoutez, c'est très gentil, mais non. Vous savez, je peux revenir. Vous avez quoi ? Un magasinet de loto, je vous assure, c'est pas le bout du monde. Bon, bah écoutez, vraiment, je vous remercie, mais par contre, je tiens à vous rembourser. Vous savez, c'est pas nécessaire. Ah si, si, j'y tiens. Comment je peux vous joindre ? Bon, puisque vous insistez, je crois que j'ai une vieille carte de visite qui traîne quelque part. Magazine plus madame, 25 euros. Merci, et à très bientôt. L'auto, on peut toujours rêver, hein. C'est sûr que c'est pas à moi que ça arriverait. Attendez. Décidément, aujourd'hui vous oubliez tout. Vos lunettes de soleil. Mes lunettes. Merci. Et encore merci. Oubliez. Je suis persuadée que vous auriez fait pareil. Ça vous inspire, les voyages ? Parce que vous disiez partir, là. Ah. Vous voulez partir ? Je rêve de la Polynésie. À chaque fois que je vois un magazine, c'est plus fort que moi. Faut que je l'achète. Ça donne un sens à ma vie. Moi, c'est pareil. Je rêve de voyage. Je voudrais pas être indiscret. C'est quoi pour vous donner un sens à sa vie ? Mon mari dit que je suis très compliquée. Il prétend que je parle à tort et à travers, que j'ai une fêlure. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ça comble un vide. Donner du sens à ma vie, c'est tout faire pour retrouver un père que j'ai à peine connu. Qu'est-ce qui vous en empêche ? L'argent ! C'est pas mon salaire de coiffeuse à mi-temps qui me permet de tout plaquer. Imaginons 5 minutes que vous ayez une baguette magique. Que feriez-vous avec ? Quand mon père a embarqué pour Tahiti, je n'étais qu'une petite fille. Tiens, eh bien comme lui, j'embarquerais sur un voilier. Comme lui, j'irais à Tahiti. Il me manque. Vous l'avez jamais revu ? Non, jamais. Mais vous avez des souvenirs quand même. Regardez. Levez la tête, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois le bleu du ciel, des nuages, une mouette. Moi, je vois la lune. Je comprends pas. J'aime bien vos énigmes, mais je comprends pas. J'avais 6 ans, et la lune, c'était un vrai mystère.
Alors le soir, je la regardais, je la cherchais et je l'appelais Adi. Ça faisait rire mon père. C'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Son rire et la lune. Vous habitez la Pointe Courte, c'est sympa comme quartier. Oui, c'est sympa. C'est 7 comme il y a 50 ans en arrière. Le matin, j'ouvre ma fenêtre, je vois mon voisin. Et tous les matins, je joue à la guitare la même chanson de Brassens. Ah oui. Et c'est laquelle? Et le plus marrant, c'est qu'il habite rue Georges Brassens. Et alors, c'est laquelle? Bon, vous insistez vraiment? Oui, allez-y. À l'heure du berger, au mépris du danger, je prendrai la passerelle. Vous voulez vraiment que je continue? Allez-y. Pour rejoindre ma belle à l'heure du berger, au mépris du danger, et nul n'y pourra rien changer. Oui. Et c'est moi, sa belle. Hélas, sans passerelle. Waouh! Joli bouquet, on dirait des fleurs de vahinée. Vous savez qu'en Polynésie, les fleurs parlent? Oui, je sais. À l'arrière, vous êtes disponible, et à l'avant, vous êtes marié et encore disponible. Merci, monsieur Gambier, de m'avoir fait confiance. Si je gagne au loto, parole de Tina. On partage moitié-moitié. On peut toujours rêver, hein, vous savez. Regardez, vous voyez cet opercule? Oui, c'est joli. C'est l'œil de Sainte-Lucie. Ça ferme et ça ouvre des portes. C'est un talisman. J'ai l'impression que vous et moi, on en a bien besoin. Prenez-le. Ah non, non. Prenez-le, je vous l'offre. Mais il va vous manquer. En cherchant bien, j'en trouverai un autre sur la plage. Tina, je suis Tina Pozzi. Enfin, ma belle pour mon mari. J'habite en face, trois quais de la République. Vous pouvez compter sur moi. Oups là, faut que je vous laisse. Je suis très en retard, faut que j'aille au travail, faut que je file. Je vous recontacterai très vite. Peut-être même à l'heure du berger. Tu me remets ça? Ça marche. Qu'est-ce que je vous sers? Un blanc. Tu les as? Maintenant, nous sommes quittes. Et Brigitte, toujours ensemble? Question suivante. C'est qui la nouvelle? Il n'y a pas de nouvelle. T'as vu le temps dehors? Il faisait beau tout à l'heure, en 5 minutes, ça s'est couvert. Mais là-dedans, c'est la même chose. Je suis avec une fille, je pense à l'autre, et voilà, ça foire. Con, Marcel. Tu veux que je te dise, Satina, il la mérite pas. Il la traite comme une merde. Tant que je penserais à Tina, j'aurais du gris dans le cerveau. Merci pour les places. Stan, tu gardes ça pour toi. Bonjour René. Carole. Comment tu vas? Tu es toujours aussi belle. Et toi, tu es tout bronzé. Tu travailles ton bronzage avec Tony? Coquine. Coucou Tina. Ce matin, je te dis pas. J'ai une de ces migraines. Je suis toute retournée. Tina, t'imagines même pas ce qui m'arrive. Ma fille quitte son mari. Et j'ai les deux petits monstres à la maison. Je suis débordée. J'ai une de ces têtes. J'arrive même pas à me regarder. Carole, tu habites à la Pointe Courte, toi. Tu connais un Sam Gambier? Ma fille, là-bas, tout le monde connaît tout le monde. Sam Gambier? C'est indiscret. C'est surtout sa femme Laura que je connais. Elle nourrit les chats du quartier avec les restes de charcuterie. Mais
C'est surtout les mouches qu'elle attire. Quand elle est à jeun, elle est calme et tranquille. Mais quand elle est pompette, on conseille, évite-la. Cindy, mon chou, tu peux t'occuper de Carole. Moi, quand je travaille, je me sens importante. Tiens, quand je travaille, c'est comme si j'étais en vacances. Il y a les clientes, elles. Elles me sourient, elles me remercient. Alors qu'à la maison, en ce moment, c'est l'horreur. Moi, c'est pareil. Quand je rentre chez moi, je suis transparente. Il est avachi sur son fauteuil, dans sa bulle. Il voit même pas que je suis allée chez le coiffeur. Et quand je lui fais remarquer, il me dit que c'est de l'argent gaspillé. Toi, c'est le fauteuil. Moi, c'est le canapé. À force, il a plus de ressort. Ton mari ou le canapé? Les deux, je crois. Enfin, te plains pas, va. Je te dis pas, chez moi, c'est l'horreur. C'est devenu le repère des passionnés de foot. Ça hurle, ça boit, ça fume. Et en plus, ils attendent de moi que je les serve. Dis, t'as vu le dernier épisode des Feux de l'amour? Attends, là, je rêve ou quoi? Les numéros, je les reconnais. Je les reconnaîtrai entre mille. Mais de quoi tu parles? Lis-moi les numéros du loto, je vais être sûre. Le 1, le 39, le 31, le 13, le 42 et numéro chance, le 7. J'ai les numéros? C'est mes numéros? J'ai gagné! J'ai gagné au loto! J'ai gagné! René! Ça fait 10 ans que je joue les mêmes numéros, je les connais pas, car j'ai gagné! J'ai gagné! Oh, regarde! J'ai tous les numéros, même le 7! Cette fois-ci, c'est pour de bon. René, je suis libre! Je suis libre! T'imagines, Carole? J'ai toujours su que ça m'arriverait un jour. Oh, j'ai trop de chance! Oh, j'en tremble! J'ai gagné au loto! Regarde, dis-moi que je ne rêve pas, dis-moi que c'est vrai. Tu vas avoir plein d'amis, tu vas même plus pouvoir les compter. Adieu les engueulades. Je pars, je quitte tout. Tiens, je pars pour Tahiti. Oh, oui. Je quitte Seth et mon mari. À moi l'aventure. Seth ne va pas te manquer. Moi, tu plaisantes ou quoi? À choisir entre Seth, Lagon et Cocotier. Mais il n'y a pas photo. Tina, tu vas devenir une star! C'est sûr. René, quand je vais raconter à la pointe courte que ma coiffeuse est millionnaire, ton salon ne va pas désemplir. Mais Tony, dans tout ça. Marcel, tiens, ça va te plaire ça. Je me suis défoncé, Marcel. Regarde, Marcel. Je les ai, Marcel. Deux places pour un demi-finale. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Qui c'est le plus fort? Oui. Enfin, peut-être. C'est pas sûr que je vienne. C'est pas sûr. Ah putain, là, je te comprends pas, Marcel. T'aurais tué père et mère pour cette demi-finale, voilà, mais non, ouais, c'est allez, pas sûr. T'énerve pas. Monsieur. C'est pas facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus où j'en suis. Vas-y, j'ai la boule là, la boule au ventre. Je crois que j'ai foiré avec Tina. Pourquoi tu dis ça? Au lieu de l'écouter, de la comprendre, d'avoir de l'attention, je l'ignore. Je sais pas m'y prendre. Tiens, quand j'ai compris que ça déraillait, je lui ai proposé d'aller voir un psy. Un psy? Ouais. Toi, Marcel, t'as proposé à Tina d'aller voir un psy. Quand j'y pense, ça m'empêche de dormir. Tu sais, Yvon, j'ai déjà divorcé une fois. Divorcé? Ouais. Ah bon, t'as été marié, toi? Ouais. Et je suis en train de refaire la même connerie. Oula, toi, tu nous couvres quelque chose, là. Fait plus de 10 ans que je te connais et je t'ai jamais entendu te plaindre. Ouais, ben, y a un début à tout. Faut croire que je vieillis. Tu gardes ça pour toi. Hé hey Marcel, regarde, une carpe. J'ai une carpe.
Tu comprends maintenant, Yvon, pourquoi c'est pas le moment pour la demi-finale. Il faut que je m'occupe de ma belle, il faut que je passe du temps avec elle. Même si je suis pas très doué. Elle est paumée sans moi. Hé, Marcel, la carpe, elle est muette. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche la maison des Gambiers. T'es qui, toi? Je sais pas d'où t'es, mais t'es pas d'ici. Tu leur veux quoi aux Gambiers? Monsieur Gambier m'a donné sa carte de visite et je cherche sa maison. Sam, il a des cartes de visite maintenant. Et tu lui veux quoi, Sam? Il n'est pas d'embrouille, c'est un pote à moi. Ah mais non, mais pas du tout. Je dois absolument le retrouver. Parce que... Sa maison, tu peux pas la rater, c'est la deuxième à droite. On l'appelle la maison des chats. Mais je suis pas sûr qu'il y crache encore. Mais il habite ici quand même. Dans le quartier, tout se dit. Et tout se sait. Merci. Bonjour. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger. Tu me déranges pas? Je me sentais seule. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche Sam Gambier. C'est bien ici? Tu serais venue il y a une semaine, tu l'aurais trouvé ici. Mais là, c'est trop tard. Il est absent. Mais il reviendra. Vraiment, je croyais qu'il vivait là. Il vivait là? Tous les deux, malheureusement, on chamaille. Et crois-moi que je le regrette. Je suis désolée pour vous. Selon les moments, sa présence me manque. Moi, j'aime pas la solitude. T'imagines? Il mange jamais ma cuisine, refus total. J'allais quand même pas l'empoisonner, non? Il a toujours eu peur de ça, que je l'empoisonne. C'est le problème des végétariens. Ils sont tristes et peureux, ces gars-là. Des hystériques, voilà. Je te jure. Vous savez où je peux le trouver? Il s'est cassé. Il est parti chez Tobia le Fakir. C'est un gentil écolo qui flotte sur son bateau. Excusez-moi, mais est-ce que vous auriez le numéro du Fakir? Dis-moi là, l'oiseau tombé du nid, tu me fatigues avec tes questions. Fais comme moi, débrouille-toi toute seule. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Faut que j'y aille. Mais au fait, t'es qui, toi? Et pourquoi tu cherches Sam, d'abord? Je dois absolument le retrouver. On a un contact ensemble. Un ticket ensemble et j'ai promis de tout partager. Non mais t'es sûre, c'est quoi cette proximité? Oui, mon mari... T'as un mari? Oui. Sam nous a prêté une petite somme d'argent. Nous étions sortis sans la carte bleue. Il nous manquait un peu d'argent et... c'est compliqué. On est en affaires tous les deux. Je dois absolument le retrouver. T'es pas claire, toi, hein?
Le faucheton! Il me parlait de nature, d'idéal, d'évasion et par derrière, il te filait mon fric? Et je parais qu'il te draguait? Non, non, vous n'y êtes pas. On a un ticket ensemble et je dois absolument le retrouver. Si j'ai bien compris, t'es une sale nitouche qui tient à me déposséder. Si tu crois m'entuber, tu te trompes. Fumier! Un ticket ensemble? Mais c'est qui cette meuf? Nature, idéal, évasion, hein? Il y avait un ticket avec cette fille? Un ticket ensemble, c'est n'importe quoi! Et la fille, là, je suis sûre qu'il a baisé, évidemment. Tobia, il y a un souci là-haut, avec la drisse et la girouette. C'est bon pour la girouette, mais la drisse, elle est presque neuve. Elle frotte sur une pluie désaxée. À force, elle va casser. Alors un conseil, on change la drisse et la poulie. Sam, pendant que tu bossais, j'ai reçu un coup de fil d'une fille qui te cherchait. C'est qui? J'ai rien compris à son histoire de lolo, de loto et de fric. Ça te dit quelque chose? Bien sûr que ça me parle. Elle t'a dit quoi? Elle était confuse, elle était excitée comme une puce. Elle veut que tu la rappelles. Tu compares avec mon portable, j'en ai plus de forfait. Ça va, c'est bon, Tobia. J'en ai pour 2 minutes. Allô? Allô? C'est qui? Je voudrais parler à Tina Pozzi de la part de Sam. Elle est pas là. Et vous savez quand je peux la joindre? Je te dis, elle n'est pas là. Mais c'est parce qu'on s'est rencontrés, je voulais l'appeler pour lui dire. Pour lui dire quoi? Excusez-moi, je rappellerai. C'est sans importance. Attends. Explique-toi. Je comprends rien à ton baratin. Elle veut partager un loto. Comment dire, c'est compliqué. Un loto? Mais c'est quoi ce loto? De quoi tu parles, bordel? Non, mais c'est parce que... Elle me propose, ou plus simple encore... Dites-lui que je suis au port, panne... Attends. Maintenant, mon gars, tu vas parler clairement. C'est quoi, panté? Dites-lui qu'elle peut me joindre au port, sur le bateau Totem, il se trouve, panne, thé... T'es comme, je sais pas moi, t'es comme Tina. Ah putain, ma belle, je la croyais docile. Elle gagne l'auto, elle se tire avec le fric. Dis-moi, connard! Tu sais que dans la famille, on ne rigole pas avec le fric.
Et surtout, surtout, qu'on n'aime pas être cocu. Alors où que tu sois, qui que tu sois, je te trouve et je te fais ta fête. Mais votre femme, je la connais même pas. Cette rencontre, c'est juste une parenthèse. Et en plus, il me prend pour un débile. La parenthèse, elle veut se tirer. Alors tu crois que je vais boire tes conneries? C'est pas vrai, je suis pour rien, moi. Arrêtez votre cinéma, vous faites des idées. Votre histoire de couple. J'en ai rien à foutre. Ah, sauf que vous partagez le magot, hein? Et plus encore. Alors, s'il te plaît, arrête de noyer le poisson et fais-moi grâce de tes détails. Ça me suffit! Je sens l'emmerde et les embrouilles. Hein. T'es comme Tina, t'es comme Tina. Mais pour qui il se prend? Enfoiré! Fuck, je t'étais pas né et maintenant tu dégages. Mais bon, j'ai un plan pour toi. Ah oui? Je connais une femme qui habite sur le bateau d'Ulysse. C'est qui Ulysse? Ulysse et son mari. Et elle, c'est Pénélope. Au lieu de dire les conneries, écoute, son mari, Liane Stito Marquis, malheureusement pour lui, elle veut le rejoindre. Elle ne connaît rien à la voile, et entre moi et toi, ce n'est pas une Pénélope. Je connais tes plans, Tobia. Désolé, mais c'est foireux. Appelle Margot de ma part. Elle cherche une skipper. Elle ne paye pas, elle trouve que les clunes. Je te vois venir gros comme une maison, là. T'es dans le loose, t'as pas le choix. C'est une bonne copine. Appelle-la de ma part sur le canal 16. Mais je te préviens, elle est space. Explique cette embrouille. Si toi, tu la trouves space, alors là, c'est gratiné. Hein? Look, elle se mise en tête de partir sur Blue Smack. Mais elle ne te passera pas la porte 7. T'as pas plus tordu comme plan? Sam, tu l'auras à l'aventure. Et le paquet cadeau, c'est Margot. Margot, Sam, ça fait SM, tout ça. Rien à foutre, prends large. Blue Smack de Totem. Est-ce que vous me recevez? Blue Smack de Totem. Est-ce que vous me recevez? Elle n'est pas en veille. Blue Smack pour Tobia. Tu m'appelles, mon chou? Pourquoi? Tu te languis de moi? Tu veux me voir ou c'est l'heure de l'apéro? On passe canal 73. 7, 3. Hello? Hello, mon chou. Je suis pas Tobia, je suis Sam. Sam, un ami de Tobia. Il m'a parlé de votre voyage aux Marquises. Il paraît que vous cherchez un skipper? Oui, c'est possible. Mais ça dépend. Ça fait une éternité que je reporte mon voyage. Je pars pas, j'y vais pas. Faut que je me décide. Ceux qui voulaient embarquer n'y connaissaient rien aux manœuvres. Ils me prenaient pas au sérieux. Ils pensaient que je voulais me suicider si je partais seule. Quelle bande de machos. Margot, je navigue avec Tobia. Je suis skipper idéal. Je cuisine, je fais les manœuvres, les cars, je répare les bateaux. Et en plus, je bosse gratos. Ah ben, si t'es un bon marin, un ami de Tobia, libre et disponible, viens à bord. Mais je te préviens, tu dois tout assurer. Jusqu'au bout des ongles. Je l'ai. Bleu, un bateau bleu. Regarde, bleu, quoi. Ah, je crois que je l'ai. Blue Smack. Ah, je le tiens. Oh putain, c'est lui. Alors, comme ça, tu veux te foutre de moi, hein? T'es comme Tina.
Toi, tu veux coucher avec ma femme? Eh bien, avec la gueule que t'as, je vais t'exploser. Il est beau ce tableau. S'il te plaît. J'aime ses couleurs. On passe la porte. On traverse le miroir pour aller vers un ailleurs, peut-être. C'est un tableau de ma mère. Ah, tu as de ses nouvelles? Tu veux un maté? Non, je suis déjà en retard. T'es toujours pressée. Paola, tu sais bien que je dois partir. Mais prends ton temps. Non, faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Non pensava che extrañerais mi paese. Ah, Buenos Aires qui te manque? Ma mère qui est malade. C'est ça. Tu dois partir. Tu vas me manquer, tu sais. Hey Marcel, t'es au courant? Quoi? Paraît qu'on va travailler plus la semaine prochaine. Non. Tant si le patron il veut prendre plusieurs chantiers, ça c'est son problème. Hein. Allez, vas-y Marcel, ça m'étonne, moi je vais pour toi. Attends, c'est la Champions League la semaine prochaine, moi j'ai pas de temps pour les heures sup. Puis j'ai l'esprit ailleurs. Je sais pas comment tu fais toi, tu arrives à bosser, à penser à la Champions League, en plus t'as l'esprit ailleurs. Non, t'es un bon gars. J'ai un compte à régler avec un enfoiré qui a fait la connerie de sa vie. Il tourne autour de Tina. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui c'est ce type? Bah, c'est un problème perso, ça regarde que moi. 18. Dis donc, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Tina. Non. Vendredi. Ça te dit de venir manger à la maison? Je veux, ouais. Je vais préparer la pasta. Pasta là, et ricotta. Et Nero d'Avola. Nero d'Avola. Comme en Sicile. Vendredi, tu dis? Yvon, ça va pas. Le torchon brûle avec Tina. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je la ramène à la raison. Tu veux que je te dise, Marcel? Je crois que t'as du boulot. Elle veut me quitter. Enfin, je la connais. Hein. Si elle me dit ça, c'est pour que je m'occupe d'elle. Elle est perdue sans moi. Si j'étais toi comme cadeau, j'offrirai des fleurs plutôt qu'un nouvel aspirateur. Sans compter que t'as toujours pas réparé l'ancien. Tu fais chier, Yvon. Cherche pas à m'enfoncer. Et tu oublies mes confidences. Une carpe. Ouais, c'est ça. Fais le malin, va. Si t'étais plus futé, t'aurais pas divorcé, toi non plus. Foiré. Non mais tu peux pas regarder devant toi. Tu m'as pas vu ou quoi? Si, je t'ai vu. Trop vu même. Et là je t'ai raté. Mais maintenant je vais t'exploser. Non mais j'y vais, mec.
ça, tu baisses ma femme. Tu lui aurais même monté la tête pour qu'elle me quitte. Tu sais que t'es un grand malade, toi. S'il vous plaît, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui faire mal. Mais c'est pas votre problème, vous. Je vais appeler la police. C'est pas ton problème. Merde! Là, t'as fait une erreur. Et le grand malade, tu sais ce qu'il va faire? Il va te péter la gueule! Connard! Oh! Eh bien, depuis quand est-ce qu'on se baigne dans le canal? Tu fais du bateau stop. Ah, tu fais du bateau stop. Allez, viens pas mort. Dis donc, il a pas l'air commode ton copain là-haut, hein? T'as dérangé du cerveau, ce gars. Et en plus, il est persuadé que je baisse sa femme. Ah, tiens, malin, toi, hein. Et j'espère au moins qu'elle vaut la peine. Vous aussi, vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Mon soi-disant mari. Il m'a entubé. Il est parti avec la caisse et sa pétasse. Eh bien, moi, c'est ma femme. Mais je m'en vais la ramener à la raison. Et péter la gueule à son putain d'amant. Ah bon? Il appelle ma belle sa parenthèse. Il croit qu'il peut me la faire, lui. Mais c'est mal me connaître. Quand il va se montrer, ce salopard de Sam. Sam? Il a des choses à m'avouer. Et je vous jure qu'il parlera. Sam? Sam, le mec de la panté? Ouais, le mec de la panté. La pétasse? C'est ma femme. Putain. Mettre le grappin sur une femme mariée. Et qui plus est, c'est à la Marcello. En Sicile, c'est pire qu'un crime. Pour une fois, je sentirais du plaisir. Ma mère, elle me disait toujours, faut savoir crever l'abcès tant qu'il est encore temps. Vous êtes comme moi, vous. Vous savez y faire avec votre mari. À nous deux, ils n'iront pas loin. Ils n'ont aucune chance. Ouais. Aucune chance. Un cappuccino avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vous apporte ça. Le cappuccino. Merci. Et le verre d'eau. Excusez-moi. C'est joli votre t-shirt, mais c'est quoi là, entre le T et le A? Ah, ça! C'est mon inside, c'est mon intérieur. Vous savez, moi, le yin, le yang, le karma sutra, l'ail, oli, je confonds tout, moi. C'est Tina. Oui, c'est vous, Miss La Chance. Vous savez où est Sam? Vous avez le sheet pour me tester pendant votre...
travail. Mais je sais pas où le trouver. Vous et Sam, vous êtes des galères. N'approchez pas de mon bateau, sauf si vous cherchez des ennuis. Dites-moi juste où il est. Allez au Quai d'Honneur, virez le Blue Smack. C'est le seul bateau bleu de la panne. Dépêchez-vous, il y a de la concurrence à vous. Mais moi, je dois d'abord encaisser mon loto. Rien à foutre avec ton fric. Avec de la chance, ici, il n'est pas trop tard. Vous allez trouver Sam. Votre magot. Vous l'encaisserez plus tard. À la première escale. Facile pour moi. Quand je rentre du travail, j'aime bien que m'appelle ma tante. L'idée qu'elle m'échappe, moi, ça me perturbe. Et puis sans moi, elle est perdue, elle saura pas faire. Je vous comprends. Moi, c'est la solitude que je supporte pas. Oui, tout ça, j'ai plus de repères. Et l'autre connard là-bas qui dit que ma femme, c'est sa parenthèse. Allez, ça suffit, j'arrête de chouiner comme une gamine. Votre saucisson, là, il sent bien bon. Moi, ça m'a donné faim. Moi, j'aime la présence d'un homme, d'un vrai, à mes côtés. La solitude, c'est pas mon fort. Tiens, goûte-moi ce saucisson. C'est moi qui l'ai fait. Moi, ça me fait du bien de partager ce moment de bonheur avec quelqu'un qui apprécie ma nourriture. Exactement. La charcuterie, c'est ma spécialité. Une recette transmise de mère en fille. Tu connais le secret? Le secret, c'est de savoir doser les épices. Choisir un bon cochon, bien élevé, nourri par un bon éleveur. Bien charcuté, en y rajoutant du bon gras. J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre tous les deux. Tu sais, en arrivant, j'avais un coup de calcaire. Mais ta présence me fait du bien. Salute. À notre rencontre. Et à notre future réussite. Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Vous comprenez pas quoi? La seule chose que je comprends, c'est que votre mari, c'est un malade. Il m'agresse. Il m'explose la main. À cause de lui, je me retrouve à la rue comme un SDF. Aujourd'hui, j'ai une opportunité là, sur ce bateau, et je pars. Je pars en Polynésie. Sam, j'ai gagné. On a gagné. On peut partir. Moi, je pars. Le reste, je m'en fiche. Mais Sam, l'œil de Sainte-Lucie, ça ouvre les portes. C'est vous qui me l'avez dit. Emmenez-moi. Je suis juste le skipper, pas le proprio, et puis c'est un petit bateau. Je suis pas très grosse, je prendrai pas beaucoup de place. Je dois skipper Blue Smack, gérer Margot. Moi je l'ai le magot, et je suis prête pour l'aventure. Vous êtes riche, vous avez de l'argent, prenez l'avion. Le voilier c'est le moyen le plus lent pour aller en Polynésie. Désolé, je suis occupé, je peux rien pour vous. Mais c'est qui cette meuf sur mon bateau? S'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi. Je cherche un embarquement. Oh! C'est pas un paquebot. C'est mon bateau. Et puis d'abord, pourquoi tu voudrais que je t'accepte à bord? Parce que j'ai plein d'argent. Je suis riche. Je paye mon voyage. Mais de quoi tu parles?
Tu payes ton voyage. J'ai gagné au loto, j'ai gagné au loto. T'es sûre de ce que tu avances? Oh, évidemment que je suis sûre. Ben, là, peut-être. Pourquoi pas? Dans ces conditions, ça pourrait s'envisager. T'as une bonne bouille. Si tu es compréhensive, que tu peux payer, ça résout mes soucis. Donc vous seriez d'accord? Ben, dans ces conditions, je vais pas refuser. Il y a de la place pour trois. Mais tu m'enlèves tes chaussures. Hein? Fou là! Je t'ai dit que je te voulais pas à bord de mon bateau. C'est mon bateau. C'est ma passagère. Alors, on fait quoi alors? Maintenant on y va. Quelle galère! T'es déjà monté sur un voilier? Ben... oui, oui, oui. Rends-toi utile. Love les drisses. Quoi? Lover qui? Lover quoi? Tu loves les cordages. Je crois que ça le fait pas. Dis-moi, tu es équipière ou passagère? Méfie-toi des marins. Ils sont sexistes. Toi et moi, on va pas se laisser faire. Sur un bateau, les hommes, c'est tous, tous des machos. Ça veut dire quoi, lover? Quand même, c'est grâce à Sam que j'ai gagné au loto. Parole, parole. C'est grâce à moi si tu es sur mon bateau. Et direction la Polynésie. Merci. N'empêche que, sans ça, je serais toujours à la maison en train de faire la boniche. Il est où, Sam?
Sam, regarde. La baguette magique. Le visa pour Tahiti. Oh, le billet. Sam, le billet, rattrape-le s'il te plaît, fais quelque chose. Vite, Sam. Tu l'as? Tu l'as rattrapé? Oublie-le. Tu plaisantes, toi? Tu me fais marcher. Non, ça me fait pas rire. Vas-y, rends-le-moi. Je te dis que je l'ai pas. Ah non, non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. C'est ma liberté, ce billet, c'est pas possible. Mais reste pas planté là, fais quelque chose. S'il te plaît, Sam. S'il te plaît, arrête le bateau. S'il te plaît, arrête voilier, le bateau. Un voilier, ça s'arrête pas comme une voiture. Ton billet, oublie-le, forget, all bido. Non, mais non, mais non, non. Calme-toi, hein, calme-toi. C'est moi le skipper, c'est moi qui décide. Tu vois l'horizon? Derrière l'horizon, il y a encore l'horizon. Et derrière l'horizon, c'est là qu'on va. On fait cap au sud. Mais t'as vu ce que t'as fait? Tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est de ta faute. Eh, doucement, Margot, hein. Son billet, je m'en tape. C'est votre problème, c'est pas le mien. Sandy, je suis perdue. Pleure pas. Pleure pas, ma chérie, c'est pas grave. Pas la tête comme ça, Tina. Allez, viens. Viens m'aider à régler les voiles. Tu peux le faire tout seul, non? C'est toi le skipper. Allez, fais pas cette tête. Ne le prends pas comme ça. De toute façon, tout ce que je fais, je le rate. J'ai tout gâché. Je suis nulle. Il y avait une voie d'eau. C'est de l'eau de mer, il y avait une voie d'eau. Mais tu plaisantes ou quoi? Ça veut dire qu'on va couler? Tu m'avais dit que t'avais tout vérifié à bord. Ah, tu m'énerves, tu dis n'importe quoi. C'est grave? Parce que moi, je sais pas nager. Mais t'es vraiment incompétent, hein? Thank you.
Je vois chez toi beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse. Tous ces malheurs à cause des hommes. Pour te protéger des mauvaises ondes. Merci. Tu trouves pas qu'il est pas assez cuit ce poisson? Margot, le poisson ça se cuisine up and down. Il est vraiment bon à rien. Je l'appelais Adi, ça faisait rire mon père.